Salut, c'est Erwan de EspritRentier.fr. Et bien écoute, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique de swing trading. Je publie régulièrement des trades que je passe en réel, un trade positif, un trade négatif si possible par week-end. Tu peux retrouver toutes les infos sur mon blog ainsi que quelques articles sur le swing trading. Voilà, moi je me suis formé avec, d'ailleurs je te mets le lien dans la description avec la formation de Nicolas. Il y a 4 vidéos gratuites de formation offertes. C'est les 4 premières vidéos que j'ai regardées sur le swing trading et c'est ça qui m'a donné envie de continuer et aujourd'hui je commence avoir des retours intéressants. Donc aujourd'hui on va étudier EXTR, Extreme Network, qui est du secteur de la technologie, plus spécifiquement dans l'industrie de la communication et des ordinateurs et des biens des équipements de communication. Donc je suis rentré, en fait j'ai cherché à devancer plutôt le breakout ici. C'est quelque chose que maintenant je ne ferai plus puisque tu vois que je suis rentré un jour, en fait je suis rentré un peu en retard, c'est à dire que j'ai considéré qu'il y avait un breakout ici et je suis rentré. Comme on avait eu un pullback là, finalement je suis rentré le 29 septembre. Très précisément, je vais te dire, je suis rentré à 11,93. Derrière, l'action est montée, j'ai prévu des premiers profits le 5 octobre et puis elle est redescendue. Et là, pas de chance, cette grande mèche qui est venue en fait déclencher le stop loss que j'ai mis à 11 avant l'envolée de l'action. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, étant rentré tard, j'ai placé mon stop loss au niveau du pivot, c'est-à-dire au niveau de la résistance qu'on avait cassée, alors que si j'étais finalement rentré le jour du breakout, c'est-à-dire le 28 août, tu le vois ici avec les forts volumes, j'aurais placé mon stop loss ici, juste en bas de ce gap haussier, et je n'aurais pas été déclenché là. Donc voilà, c'est une prise de position tardive qui m'a peut-être induit en erreur sur mon analyse chartiste du jour. Bon écoute, voilà, c'était tout pour ce petit trade. Si ça t'a plu, mets-moi un pouce, partage, laisse-moi un commentaire, qu'on discute ensemble. Je te dis à très vite, et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur espritrentier.fr. Ciao, ciao.